Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. J'essaie de faire vite parce qu'il y a Citara qui parle. Les gens vont douter de leur propre opinion maintenant. Personne n'osera admettre qu'il s'est fait manipuler. Mais tous ceux qui voulaient voter pour Truss vont être obligés de se remettre en question. Et en plus, on a réussi à associer Plume et le CTOS à l'idée d'intrusion abusive. Ouais, un bon gros gâteau à la merde. Bien intrusif. C'est dégueulasse encore ça. Oh, t'es dégueu. Ouais, mais t'adores ça. Il a tué quelqu'un ? Bref, il a dû tuer quelqu'un. Mission, chers amis. Je crois. Je sais pas ce que c'est. Oui, mission. Cool. À moi. D'accord. Ok. Tac. Ouais. Junior est en marche. Y a plus qu'à savoir où j'envoie. Cherche l'espace sécurité, c'est pas loin. Pas de prisonnier. Contre les IEM par une cage de Faraday. Auprès du donc, jour. Ça marchera. Que si t'arrives à faire passer Junior jusqu'au fond. Comment ça que si t'arrives? Je vais forcément y arriver. Allez, allez. Allez. Cherche un interrupteur. Alors forcément à quelque part. Oh. Oh, d'accord. Ok. Ah mais c'est là que j'étais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Hop, cool. On est passé. Tout. Je me suis fait laver la gueule. Ok, c'est bon, on monte. Ça se passe plutôt bien. Long pour fermer. Interrupteur. Merci. Crac. Interrupteur. Merci. Non, me lave pas. Me lavez pas, s'il vous plaît. J'ai pas besoin d'être. Laver, merci. J'aime pas les douches. Non, non, finalement. Oublie pas pourquoi t'es là, Marcus. Oh, j'oublie pas. Je profite juste de la balade. Ok. Ok. Ça passe bien. Ça se passe même très bien. Ok. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ok. La suite. Où faut-toi, Sésame? Bonjour. Accroche-toi à quelque chose. Je saigne. On dirait que c'est Josh qui parle parfois. Ok, on est bon. Ok, Junior est en place. Tout le monde dit bonne nuit à Junior. Bonne nuit, Junior. Boum. Kaboum. Ok, c'est bon. Ça passe. On a perdu Junior. Merde. C'est bête. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon dieu, il faut aller voir. Ouais, m'a super bien marché. Ouais. Je suis le premier surpris. T'avais des doutes? J'en ai toujours, mais j'évite de le montrer, j'en suis pas fier, tu sais. Mais, con. De picoler comme un trou, j'ai appris à sauver les apparences. Ah, Rage a trouvé le code de la porte de Tidys. 45-45. Merci. 45-45, noté. J'adore. Boum. C'est rien. Tout va bien. Knock you out. D'accord, pourquoi pas, j'ai eu un succès. Hop, ça s'est fait aussi. Bah alors, t'es mauvais. J'ai besoin d'aide là. Je suis assez... Non, t'es mauvais. Trop mauvais pour vivre. Il va venir de par là. Non? Ok, bon bah je m'en vais hein. Ici centrale, tenez-vous prêts. Des cibles potentielles ont été signalées près de votre position.
Mais non. Ah, il s'enfuit. Mais qu'il est con. Ok, je me dirige vers la salle des serveurs. Normalement, tu devrais pouvoir monter jusqu'au serveur de données. Fais juste gaffe aux alarmes, aux lasers... Ok, non, t'inquiète. Ah, rien que ça. Il me voit pas, mais... Ça, ça me fait plus chier. Ah oui, c'est vrai, puis j'ai pas récupéré mon flingue. Merde. Ok. On fait quelques-uns en moins. Ça continue à faire quelques-uns en moins. Il y en a un qui continue à s'approcher. Tiens, vas-y, va faire l'amour. Désolé. J'ai le disque dur. Qui veut tester une vraie rencontre? J'ai le disque dur. J'ai le disque dur. Ça va tant que c'est que le disque. Je vais te serrer tellement fort. Qui veut tester une vraie rencontre en ligne? Sont débiles ces phrases. Vas-y, va leur faire l'amour. Wow. Désolé. Ah. Ok, ça fait deux. Merde. Ils sont nombreux hein, quand même, hein, je veux pas dire, mais là. Calmez-vous. Oh, vous m'avez perdu, c'est pas possible. Cela tire à travers les murs apparemment. Ok, ça c'est fait. Merde. Je passe. Ok. Je passe. C'est bon. J'ai eu. Faut que Darek devait même avoir à travers le mur, toi. Ça me pète les noix. Quoi? J'ai plus de balles? Comment ça en avance? Ok, je l'ai eu. Putain, mais vous me faites chier. Voilà. Ah, il y en a un juste derrière moi. Non. Ah. Ah. Ah, je viens de le voir au dernier moment. C'est débile. Ok, je me dirige vers la salle des serveurs. Normalement, tu devrais pouvoir monter jusqu'au serveur de données. Fais juste gaffe aux alarmes, aux lasers et aux mecs armés. Ah, rien que ça. Pas de soucis. Si je peux avoir le robot. Va faire l'amour, robot. J'ai le disque dur. Bouge ton bout. Je m'en doutais. J'ai le disque dur. Qui veut tester une vraie rencontre? J'ai le disque dur. Cette phrase est une débilité. Bouge ton bout. Il redémarre. Des installations du programme non certifié. Ok, vas-y, 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 casse-toi.
Ok, je passe. C'est peut-être pas la meilleure des choix, mais je passe. Je passe. Je passe, je passe. Je passe toujours. Merde, j'ai été repéré. J'ai été repéré. Merde. Et je suis mort. J'ai été repéré par un mec parce qu'il y a une vitre derrière moi. Ah, c'est chiant. C'est chiant. C'est le pire, c'est que le jeu change autant de difficultés quoi en quelques secondes. Allez, fais l'amour. Rien que ça. Pas de soucis. Fais l'amour. Tu peux t'arrêter. T'as pas l'air fin. Ok, on y retourne, chers amis. On y retourne. Ok. Cela ne se passe pas si mal. Ok. Trouver le terminal par feu. Oh merde. Si je passe là, personne me verra. Oh putain, je peux chercher le terminal par feu comme ça ? Ah oui, non. Je suis con. Ils n'ont quand même pas trouvé Marcus pour si peu. Voilà, je descends où, moi ? Bonjour. Ok, c'est bon. Là, je devrais être bon. Même s'il me le pète, c'est bon. Ok. Donc là, en fait, je peux passer ici. Et enfin... Allez, au beau milieu du truc. Fou, ça aurait été compliqué. Pouah. C'est d'une complexité casse-couille. Oula, te bouffe pas le machin en partant. Ça va vite. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ok Ray, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais, c'est pas rien. Ça va prendre un temps fou à analyser. Normalement, t'es pas loin d'un ascenseur privé dans le bureau de la PDG. T'es sérieux là ? Le plan indique pas où il mène, ce qui signifie que c'est exactement... T'es sérieux là ? Ok. Restons planqués. Voilà. Allons-y tout doucement. Ça sert à rien de se presser. Il est au-dessus, hein. Au-dessus ou en dessous? Il est au-dessus ou en dessous, mais de toute façon, ça sert à rien de se presser. Il est passé où?
On est libre. Allons-y. Putain. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais ils sont où? J'ai plus de balles. Allez! Cassez-vous de mon chemin! Elle a même carrément un ascenseur. Oh, je crois que je devrais tout recommencer, honnêtement. Oh, j'y ai cru. Oh là là. Oh, la envie de suicide que j'ai eu l'espace d'un instant. Marcus, deux mots sur les données que tu m'as envoyées. Apparemment, le plan sur 10 ans de Tidys est élaboré dans un labo prototype. D'accord. On va voir ce qui cache au moins 6. Et tu fais tout péter. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des preuves qui montrent que Tidys est mêlé à des trucs pas clairs. Ouais, techniquement, dit comme ça, c'est mieux. Oh, chargement, tiens donc, ça m'étonne. Je suis presque écœuré. On m'avait oublié entre temps, chers amis. Enfin, chers amis, chers ennemis plutôt, pour le coup, là. C'est vide. Ok, je suis dans un abri anti-atomique de la taille d'un parking souterrain. Vous avez rien d'autre sur les labos? Tu vas te retrouver devant une énorme porte métallique. Mais j'ai pas la moindre idée de ce que tu trouveras derrière. On verra quand j'y serai. What? Temps de les améliorer, afin qu'ils puissent avoir un rôle beaucoup plus actif dans les zones de conflit au cours des années à venir. Nous testons actuellement la résistance aux dégâts en situation de contrôle des foules. Des négociations sont également en cours avec Galilei afin de développer des modèles spéciaux pour leur programme spatial. Ok, donc ça c'était les pinces, hein, chers amis, l'utilisation des pinces. Ça pue. Ça ce sera quoi? Au cours des deux prochaines années, Tidys commencera les tests sur le terrain des capacités offensives et défensives de nos robots. Quoi? Tant dans le cadre domestique que militaire. Dotés d'une précision exceptionnelle et de réflexes inégalés, nos robots représenteront une alternative plus sûre aux soldats et aux forces de sécurité. Chômage. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment ajouter du chômage? Débile. Absolument débile. Bon, c'est pas grave, à la suite, vas-y, fais-moi plaisir. Un de nos objectifs sur le long terme vise à doter nos robots d'un blindage capable de résister aux attaques balistiques les plus puissantes. Et cela en situation de combat. Dans le cadre de la sécurité intérieure, ces nouveaux modèles seront en mesure de résister avec facilité à des attaques impliquant projectiles de petite taille, cocktails Molotov et autres armes improvisées. Ouais. Si tu le dis. Les gars, j'ai enregistré tout un tas de trucs avec des robots dans tous les sens. Vous allez pas le croire. C'est exploitable pour nos vidéos? T'as pas idée. Ces Bloom veulent implanter le CityOS dans des robots armés et s'en servir contre des civils. Allez, tourne. Ça vous rappelle rien? Ça recommence. Quoi? Comment ça? Fourrer des big data dans les machines de guerre, c'était le rêve des premiers ingénieurs de Bloom à l'époque où on planchait sur le CityOS. J'ai tout fait pour que le projet soit enterré, mais je savais que ça sortirait un jour. Ouais, je comprends pourquoi t'es autant motivé. Ouais, j'avais déjà quelques soupçons, mais là, on a de quoi les griller. Là, c'est passé aussi. Deux secondes, j'ai encore un truc à voir, je vous tiens au courant. Crac. Merde, j'étais bon, dommage. Voilà. Crac, on fait tourner, crac, on le fait tourner, c'est bon. Passe dans le bon sens, tu craques là-bas, tic-tac, tu craques, ok. Tic-tac, tu craques, ok. Tic-tac, tu craques, ok, c'est bon. On est bon. Allez, Sésame, ouvre-toi. On est où dans l'épisode, chers amis, au passage? Nous sommes à 19 minutes, c'est parfait, on est encore dans les temps. Parfait. Et là, je pense que ça va être la révélation de Ouf-Guedin. Non! Oh putain! Les gars, c'est ouf! Qu'est-ce que t'as trouvé? Mortel! Putain! Attends, elle a dit un truc qui me plaît pas! Non mais pourquoi c'est toujours lui qui a droit à tous les jouets? Parce que. Voilà.
Ok. Ça m'intéresse, vas-y, fais péter. Fais péter. Oh. Système activé. Cool. Boing. Okay, sauter, écraser, pistolet paralysant, tirer, d'accord. Je vais faire passer les portes de sécurité. Des idées ? Écoute-moi, si tu désactives le système anti-incendie, ça ouvrira les portes. Je vais essayer. Ok, vous êtes des hommes ? Oh merde, c'est des vrais ! Ah, c'est des vrais gens ! J'ai pas envie. Désolé. Mais ça fait pas ça. Voilà, pistolet paralysant. Pistolet. Voilà. Paralysant mon cul, oui. Renfort appelé. Pourquoi ? Pourquoi appeler des renforts ? C'est débile. Oh, je vois. Hack. Oh, c'est génial. Ça, c'est un truc qu'on aurait dû avoir. Voilà, désolé, excuse. Qui ose ? Qui ose me tirer dessus ? Qui corrige le problème ? Voilà, problème résolu. Suivant. Ok. Bon, même si la physique, ils l'ont complètement chié, hein. Là, je crois, hein. Ouais, on va me péter les couilles, maintenant. Ça a marché. Je me dirige vers les prototypes. On a un problème. La porte qui mène au serveur de secours est toujours fermée. Je m'en occupe. T'as qu'à détruire les prototypes pendant que voilà. Je ferme la porte. Je compte sur toi, mon pote. C'est bon. Voilà. La suite. Oh d'accord, prototype. Ah d'accord. Comment je fais ? D'accord. Comme ça. Ok. Suivant. Blah ! Découpage. Hop. Sauf. Mais je sens rien. Frappez-moi. 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 T'as vraiment cru que t'allais faire quelque chose, toi ? Voilà, problème résolu. Voilà, t'étais pas blindé finalement. Finalement, t'étais pas blindé. Et toi non plus. Désolé ! Est-ce que je peux la ramener à la maison ? Est-ce que je peux la ramener à la maison ? Il devrait y avoir un ascenseur. Débrouille-toi pour accéder au serveur de secours, au niveau moins 3. Un ascenseur ? Pourquoi faire ? Pense juste à tout bien exploser comme il faut. Ok. Voilà. Ok. D'esquiver un maximum les tirs, chers amis. Ah, mais j'imagine bien si je la sors, cette chose-là, ouais. La catastrophe. Ah oui, d'accord, ascenseur, pourquoi faire, effectivement, pourquoi faire. Poupi 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 pou. Bonjour. C'est moi. Voilà. Ok. Ça passe assez bien. Voilà, problème résolu, chers amis. Adieu, Tidys. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sorti l'araignée au grand jour. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Après tout, on peut pas laisser une entreprise qui crée des robots domestiques, c'est-à-dire qui viennent dans le foyer. Bonne chance.
créer des armes militaires en même temps. Je veux pas que moi je voudrais pas qu'un de mes gamins soit avec un robot dont les capacités peut-être peuvent être militaires et dont la puce enfin la puce vous me direz, il y a beaucoup de choses qui sont militaires maintenant mais là-bas qui étaient militaires avant mais qui ne sont plus maintenant. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas apporter un matériel militaire dans un foyer. Faut absolument que tu vois ça. C'est ni plus ni moins que du porno pour ingénieur. Attends, apprentissage artificiel, nanotechnologie, railgun. Railgun ? Je savais que ça vous plairait. Quoi, c'est un cadeau ? Ouais. Ouais. Putain, ouais. T'es comme le Père Noël, mais en plus crade et moins gentil. Oh, 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 joyeux. Eh, hey, vous êtes prêts ? Si Tara va publier la vidéo. C'est parti, fais péter, je suis curieux. Si tu montres pas l'araignée, ça va pas le faire. Comparé à d'autres géants de la Silicon Valley, Daedis passe inaperçu. On entend très peu parler d'eux dans les médias. Ils opèrent à huis clos, bien à l'abri des regards indiscrets. Ted Sec a mené l'enquête, et les résultats sont alarmants. Daedis se sert de vos impôts pour financer des machines de guerre. Aujourd'hui, un prototype de combat a saccagé leur propre complexe, ce qui prouve son potentiel destructeur. D'ici 10 ans, ces machines seront déployées sur le sol américain. C'est exactement ce qu'ils ont fait, hein, ce que je disais juste avant. Pas dès maintenant. Ils construiront une armée pour vous faire taire. Vous voyez, ils montrent bien qu'en fait c'est des armements militaires plus que des robots domestiques. À Bloom pour s'autoriser l'accès au site US. Et Bloom a vendu vos données personnelles et s'en servira contre vous si ce projet n'est pas avorté. Nous ne resterons pas sans rien faire. Ted-Sec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Allez, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Avant que tu colles toutes les pages. Eh, moi je vous retrouve tout à l'heure. Ok, à plus. En plus, ils ont les mêmes bécanes, ils sont cons, ils devraient être copains. Enfin bon, c'est pas grave, la suite. Sky Swift, c'est quoi? Oh, quel dommage. Archul, Simon, Archul. Ok, bon, bah on est bon. Finalement. Recherche disponible, qu'est-ce qu'on a en recherche? Gadget maison, zapper, explosif. Oui, ça m'intéresse pas les explosifs. On va quand même en prendre, c'est pas grave, on a plein de points disponibles. Ok. Résistance au tir, ça m'intéresse pas, qu'elle soit rapide. Ok. Je peux pas. Ok, pourquoi pas, si tu veux. Ça me fait chier, mais pourquoi pas. Ici, c'est quoi? Exploit du contrôle du trafic. Je prends. On devrait les avoir déjà, ceux-là, c'est bête que je les ai pas. Plantage de masse système, je prends. Ça me fait gagner du temps. Et ça, je l'ai pas. C'est bien dommage, parce que visuellement, ça claque, hein. Ok. Bon, et bien écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, en tout cas. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. La CIA t'a mis dans sa liste des personnes les plus recherchées. Attends, quoi? Va falloir te faire oublier, amigo. Désolé, c'est moi. A plus pour d'autres aventures. Désolé, je vais me faire oublier. Salut!